Edmond, bonjour. Tu viens de remporter ton quatrième titre en senior, félicitations. Merci. Comment s'est passée ta compétition? Mal sur le match de qualif, j'ai envie de dire, même si c'est un paradoxe. Une compétition qui se passe mal et qui finalement se termine en première place, c'est un paradoxe. Mais bon, je suis en préparation pour le moment. On a 2 semaines du championnat d'Europe. J'ai encore des choses techniques à peaufiner et aujourd'hui, bon, c'était une répétition. La finale, je retiendrai la finale, le match, il y a peu de passages que je vais retenir sur le match, mais l'essentiel c'est la médaille d'or et conserver mon titre. Justement, à quoi penses-tu quand ça marche pas et quels sont tes petits trucs pour y remédier? Quand ça marche pas, on demande déjà à l'avis extérieur, à l'entraîneur, qui peut peut-être observer les choses. On essaye d'y remédier de façon simple, hein, on s'applique à la technique pure et dure et aller à l'essentiel. C'est mon petit truc pour quand dans les moments difficiles, m'accrocher à ce qui fonctionne en toute simplicité. C'est quoi ton programme à venir? Alors, ce week-end, j'ai la finale de la Bundesliga en Allemagne. Et dans 2 semaines, il y a le championnat d'Europe. Et au mois d'avril, on a la pré-olympique à Londres. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton sport? Alors moi, à la base, je faisais du football. Parce que mon oncle était professionnel, joueur professionnel de football. Donc j'ai fait du foot et en fait dans la ville où résident mes parents, il y a un stand de tir. Et ils m'ont plus ou moins donné l'idée d'y aller. J'y suis allé et bon, j'ai tout de suite accroché, même si au départ c'était plus un loisir, un passe-temps que de la compétition. Et après on croise des personnes. Et moi, la personne que j'ai croisée, c'était Alexandre Ganis, qui m'a propulsé à haut niveau et après entré au Krebs de Strasbourg et bon, voilà la suite vous la connaissez, entré à l'INSEP, les médailles, etc. Moi je suis venu à ce sport pour y apprendre la concentration, avant tout pour réussir à me concentrer, à me canaliser, à me maîtriser tout simplement, et c'est les vertus que le tir apprend. Et pour tous les jeunes, on dit le tir, c'est pas un sport énergétique, c'est immobile, mais quelque part on dépense de l'énergie, mais de l'énergie mentale, et on apprend surtout à maîtriser son corps, et ça c'est vachement intéressant pour les jeunes qui veulent pratiquer le tir. Quel est ton meilleur souvenir dans le tir? Ma victoire en Coupe du Monde à Fort Benning. Et le pire? Le pire, ça devait être un championnat de France, une finale complètement ratée où je pars en tête ou deuxième et je finis même pas sur le podium. Edmond, merci. Merci.